le plus grand problème de l'homme, c'est d'éprouver sans cesse un désir d'expansion et sans limite, tandis qu'il vit dans un monde rempli, lui, de limites physiques et cartésiennes. Si l'on s'en réfère à la pensée nihiliste et aux philosophes tragiques, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences, et par ce fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident, sans être ni optimiste ni pessimiste, mais si l'on se positionne en tant que philosophe cynique pur. Et c'est par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant, et tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain.